Ah, mais tu utilises un télémètre? Ouais, pourquoi? Oh, je sais pas, je trouve que c'est juste un truc de fragile. Tu sais comment je sais que t'es un fragile? T'as été sur une partie Wildtrager. C'était juste une dominicale. Bah justement, c'est pour ça que t'es un fragile. Tu joues avec un camelback. T'as un réticule rétroéclairé. Tu joues pas en été. Tu mets du tact dans tes rangers. Tu joues avec du Marui d'origine. T'as un ventilateur anti-buée dans tes lunettes. Tu joues pas quand il pleut. Tu joues avec du stuff FR. Tu portes un stalker. Tu joues avec des high cap. Tu joues avec du stuff US. T'espères toujours qu'ils sortent le lance-grenade pour le FN 2000. Et toi, t'attends toujours le MDR de Silverback. Toi, tu laves ta tenue quand tu rentres chez toi. Bah, c'est pas être fragile, c'est être propre. Bah, être propre, c'est fragile. T'as acheté un drone pour faire des recos. Tu charges tes lipos dans un sac anti-feu. T'as pris une licence à la FFA. T'as cru que les mecs sur Sniperland, ils avaient vraiment fait l'Afghanistan. Tu nettoies tes répliques après les parties. T'as des lingettes nettoyantes en OP. C'est comment chez tes fragiles. T'as regardé 10 fois American Sniper et t'as pleuré à chaque fois à la fin. Ouais, sauf que moi au moins Chris Kyle il est vraiment mort. Alors que toi t'as regardé Zero Dark Thirty et t'as pleuré à la fin alors que c'est Ben Laden qui meurt. T'as un garrot tourniqué. Toi t'as un indicatif radio. T'as un patch avec ton pseudo. Tu transportes tes répliques dans des caisses. Tu joues avec des répliques Systema. Et ? Bah c'est fragile. Ha ha ha.